That's my best friend. Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, enfin ça y est, ce petit colis est arrivé. Eh oui, il est en fait arrivé. Et qu'est-ce que c'est à votre avis? On va l'ouvrir ensemble l'équipe. C'est quelque chose que vous attendez tous, que j'attends moi aussi. Ça aurait dû arriver samedi normalement. Et qui est là. Donc je l'ouvre avec vous. Vous voyez bien, on ouvre ensemble, j'ai dit pourquoi pas l'ouvrir avec vous. Voilà, ça c'est des bulles. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors là, comme je vous avais dit, une coque. Ah ouais, mais faut mettre les autocollants en fait dessus. C'est une coque. En fait, faut mettre les autocollants. Elle est transparente. Je croyais que c'était. Je croyais que la coque, en fait, elle était déjà peinte. Ça, ils auraient pu le dire. Ça, franchement, ils auraient pu le dire quand même. C'est un peu désenfoiré quand même. Parce que du coup, on reçoit la coque en plastique. En fait, pour la voiture. Et je vous le dis bien, c'est quoi qu'on a reçu? C'est des trucs pour la voiture thermique. Ça y est, là, normalement, on a tout. Et tellement j'avais acheté une nouvelle petite coque, l'équipe. Voilà, une petite coque. Et je croyais qu'elle était, en fait, il faut toute la découper soi-même. Il faut la faire soi-même, en fait. Parce que les autocollants, ils sont là. Et en fait, j'avais pris celle-là, moi. Regardez. À la base, elle doit être comme ça. Voilà, comme là, là. Et je croyais qu'elle était comme ça, en fait. Mais non, il faut que je mette les autocollants moi-même. Voilà, ils sont là, le reste des autocollants. Faut tout que je mette moi-même, en fait. Parce que je voulais lui changer de couleur. Comme je vous avais dit. Et après, voilà, c'est bon. Voilà, et comme je vous disais, on a tout reçu. Comme je vous avais montré l'autre fois, le kit de... Il y a tout dedans. On va vous regarder. Parce que je me suis dit, pourquoi pas tout racheter. Voilà. Il y a le truc pour l'essence, il y a le chauffe-bougie, il est là. Ce fameux chauffe-bougie. Voilà, et comme je vous disais, avec un transfo. Donc je vais le mettre à charger. Voilà. Un petit tournevis. Ça c'est bien. Et à tout dans cette petite mallette, c'est pour ça que j'avais acheté ça, le démonte bougie. Ouais, pour démonter la bougie, il y a un truc à essence aussi, un nouveau truc à essence. Et voilà, c'est ça en fait, qui me manquait. Voilà, tout simplement ça, et qui se charge avec ça. Voilà, et d'après ce que j'ai compris en fait, vous le mettez comme la bougie. Voilà, comme la bougie. Et vous le branchez. Parce qu'il n'y a pas trop de mode d'emploi avec ça. Donc voilà l'équipe. Ça. On le branche. C'est ça mon chauffe-bougie. Vous avez vu dans la caisse à outils, il n'y avait pas tout neuf. Et là au moins pour mettre l'essence, c'est tout neuf. En plus il est stylé. Il est bleu comme ça. Il est magnifique. Avec le petit joint. Non, c'est bien. Ces petites boîtes, elles sont bien conçues. Regardez, rentre tout dedans. Voilà avec le chauffe-bougie. La bougie et le chauffe-bougie. Du moins pas la bougie mais le chauffe-bougie, les bougies j'en ai une toute neuve. Donc ça j'avais pas besoin d'acheter. Là on n'a plus besoin de rien acheter. Et j'avais acheté une petite coque avec en fait. Pour voilà comme je vous disais, pour qu'elle soit un peu plus jolie, pour lui donner plus de design. Mais voilà, il faut qu'elle soit montée la coque en fait. J'ai pas, il faut que je la, je croyais qu'elle était déjà toute faite, toute peinte et tout. Là il faut que je mette les autocollants, les machins, ouais, ça va être... En plus moi j'aime pas faire ça, ça va être pénible. Je vais demander à Poulette si elle peut me le faire, mais elle va me dire j'ai pas le temps comme d'habitude, je dois faire la vaisselle, je dois faire à manger, je dois faire tout ça. Donc voilà, je vais voir comment ça va se passer et comment elle va arriver cette coque, comment elle va finir. Parce que j'ai peur de coller les autocollants un peu tout de travers et que du coup ça soit un peu bariolé. Mais voilà, on verra bien. Ah parce qu'il faut la peindre d'abord au... Ah ouais. Ah ouais. En fait j'ai dit d'abord de la peindre. Et après de coller des autocollants, faut que je le peins avec une bombe. Chelou. Voilà, et c'est transparente, on va voir ce que ça donne avec des autocollants. On verra bien. Donc voilà, c'était pour vous prévenir que c'est bon, tout était arrivé pour la voiture. Que la vidéo, c'est bon, elle va sortir. On va la faire tourner, cette voiture thermique. Enfin, il me manquait plus que ça et ça, surtout. Voilà, le reste après, c'est pas important. C'était parce qu'il y avait en plus. Donc voilà. Mais c'est surtout ça qu'il me fallait. Donc on va le faire charger. Mais je tenais à vous mettre au courant. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient. Beaucoup, beaucoup. Alors le pauvre, cette voiture thermique, t'en es où? T'en es où avec cette voiture thermique? T'en es où? Je vous avais dit qu'il manquait ça. Et ça y est, ça arrivait. Ça aurait dû arriver samedi. Mais voilà, comme je vous ai dit, avec les ponts, tout ça, c'est pas arrivé. Donc ça doit arriver aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Et c'est bon. La vidéo de la voiture thermique, elle va sortir. Elle va enfin rouler cette voiture thermique. Bon, l'équipe, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos.
Merci l'équipe. Ciao.